Voilà, alors que vous vivez un petit peu comment ça se passe. Opa! C'est que là, le matin, vous sortez tout chaud du lit. Voilà, façon de parler, hein, c'est pas forcément qu'il fait très chaud. Il fait moins 7 dans le chalet le matin, le poêle s'est éteint. Et là, il faut sortir dans la neige et se diriger vers cette jolie petite cabane. Bon, je vais pas rentrer à l'intérieur, je vous montre juste l'extérieur. Vous devinez à quoi ça sert. Et là, vendredi matin, vendredi 16 avril, alors qu'hier il y avait quasiment plus de neige, grosse surprise, tout est couvert. Voilà, il y a Joseph qui arrive. Et voilà le refuge, tout est blanc. Et évidemment, on a laissé les raquettes en bas dans la voiture parce que hier il faisait très beau et ils n'avaient pas prévu qu'il neige autant. Et bon, on va quand même s'en sortir. Voilà, une petite vue par devant. Bon, visibilité assez limitée. Voilà, il n'y avait quasiment plus de neige hier quand on est remonté. Et voilà le résultat d'une nuit de neige. Voilà, Joseph est parti en tête. Il y a déjà eu une gamelle. Voilà, c'est magnifique. Voilà, la descente se passe bien. Hop, ça marche, Joe. Super, on est bien là. Allez. On est bien, on va pouvoir redescendre, je pense, tranquillement. Il y a de la neige. C'est pas facile, ça glisse un petit peu, mais bon, elle est quand même poudreuse. Donc, la joie, on l'a descendue de là-haut, donc c'est quand même une belle descente déjà. Voilà, on vous montre un peu le chemin. Voilà, ça va. Il faut juste faire gaffe s'il n'y a pas un petit caillou glissant en dessous de la neige. Voilà. Alors, touchous. Touchous, tout bounce. C'était magnifique. Je fais juste un petit tour du panorama. Voilà dans quoi on est. Petite surprise sur la descente, une belle cascade. Oh, comme tu veux. Voilà, Jo choisit de passer plutôt sur les pierres que sur les troncs d'arbres glissants. Choix judicieux. Voilà, toujours vendredi et on est à peine à quelques kilomètres, enfin non, 15-20 kilomètres d'où on était, où tout était enneigé. Et voilà, regardez cette merveille. Donc c'est l'Arc qui est en train de descendre de la montagne, c'est le nom de cette rivière, et qui va traverser toute la vallée. Allez, Dimanche 18 avril 2021, alors on part pour une rando depuis Bonneval sur Arc vers l'Écho dans un premier temps, puis on essaiera de monter jusqu'à l'Évette. Il a un petit peu nagé, il a un petit peu neigé, le soleil commence à pointer et Joseph est en super forme. Ouais. Youhou. Ça va être dur. Ça va encore être dur de le suivre. Mais non, vous allez voir.
Voilà un petit refuge. Oui, ben ça peut être pas mal ça, en cas de pluie ou s'il y a du vent, c'est un bon abri. Voilà le village de l'écho. Thank you.